Bonsoir, le temps était très mitigé ce jeudi, on a eu le droit à des averses à caractère orageux par endroits, notamment dans l'est cet après-midi, et on retrouvera ce temps instable pour ce vendredi matin, notamment dans le sud-ouest avec des pluies régulières, de la neige pour les Pyrénées à partir de 1200 mètres. Ailleurs, ça restera souvent ennuagé, mais les averses seront beaucoup plus ponctuelles. Vous retrouverez même de belles éclaircies vers la Bretagne et vers la Vendée. Au sud-est, le ciel sera très voilé et donc souvent nuageux. L'après-midi, toujours des averses, notamment sur un axe allant des Pyrénées jusqu'aux Alpes, ailleurs un ciel changeant entre nuages et éclaircies, et quelques averses pourront se déclencher localement accompagnées d'un petit coup de tonnerre. Ce sera également nuageux près de la Méditerranée avec un vent assez sensible. Côté Mercure pour ce vendredi matin, entre 4 degrés pour Orléans et 12 pour Nice, et dans l'après-midi, des valeurs en baisse par rapport à aujourd'hui, seulement 11 à 12 degrés près des côtes de la mer du Nord. On aura 16 degrés pour Paris, Nantes et pour Strasbourg, 17 à Lyon, et on ira quand même jusque 19 ou 20 degrés en Corse. Le week-end, ça va nettement se rafraîchir avec une perturbation qui arrivera samedi par le nord. On va la retrouver avec de la neige à basse altitude, voire même très basse altitude sur le nord-est. En matinée, il devrait neiger des 300 mètres du côté des Ardennes et des hauteurs belges. On retrouvera l'après-midi des averses, voire des giboulées. Toujours du soleil, mais du vent pour la Méditerranée. Et donc une fraîcheur très nette pour les régions de la moitié nord, avec seulement 7 à 10 degrés au nord-est, des températures dignes d'un mois de mars. Pour dimanche, on conserve quelques ondées pour un grand quart nord-est, de la neige des 600 à 700 mètres à peine, plus de soleil entre les Landes et la Méditerranée, mais le Mistral et la Tramontane atteindront 90 à 100 km à l'heure, et les températures seront fraîches, voire froides le matin, avec quelques gelées par endroit. L'après-midi, on restera plusieurs degrés en dessous des normales de saison, mais cela va remonter pour lundi et pour mardi, avec une amélioration côté ciel, davantage de soleil, même si les nuages seront encore nombreux lundi au nord-est et qu'ils reviendront avec de la pluie par la Bretagne pour mardi. Notez qu'il fera froid lundi matin avec des risques de gelée. On gagnera plusieurs degrés entre ces deux journées l'après-midi. Il fera même plutôt doux pour mardi. Une douceur que l'on retrouvera avec beaucoup d'instabilité pour mercredi. Et pour jeudi, ça va se gâter. Plusieurs défilés de perturbations accompagnés de pluies suivies d'averses à caractère orageux. Le tout avec du vent. Le printemps a quand même du mal à s'installer. On ne va pas se mentir. Pour l'image du jour ce soir, regardez ce joli arc-en-ciel pris ce soir il y a à peine plus d'une heure du côté de Gap dans les Hautes-Alpes. Ça nous donne quand même quelques jolies couleurs. Demain, nous serons le vendredi 3 mai. Nous souhaitons une bonne fête aux Jacques et aux Philippe et on se retrouvera pour un nouveau bulletin. À demain.